Bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 11 de Douleur et Pouvoir sur Endless Legend. Nous nous étions laissés, nous avions fini une étape de notre quête et Teret devait maintenir un taux d'approbation. Ils seront en adoration les mecs, donc tout va bien pendant 10 tours, ce qui va se faire tranquillement. Vous allez, oui c'est bon. J'ai revu un peu ma stratégie, nous n'allons pas essayer de gagner avec la quête. Nous avons essayé de gagner par merveille. Alors, je vais vous faire un petit topo. Pour gagner par quête, en fait, vous finissez votre quête de faction. Et une fois qu'elle est finie, ça lance une nouvelle quête en 5 chapitres qui correspond à ces trucs-là qu'on voit, ces raids, lumières. Voilà, c'est ça. C'est une quête en 5 trucs qu'il faut compléter pour avoir la quête, la victoire par quête. Nous, on va faire la victoire par merveille. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir qu'on finisse notre quête de faction. Mais une fois qu'on aura fini notre quête de faction, ça va nous permettre de construire un bâtiment qui s'appelle le Temple du Centre de la Terre ou du Cœur de la Terre, un truc comme ça, The Temple of the Earth Core en anglais. Une merveille extrêmement longue et coûteuse à produire, mais qui vous donne la victoire. Et nous, on va viser ça et en prévision, parce que nos villes sont clairement pas très développées, hein, on est vraiment grave en retard. Regardez les villes du clan errant, c'est juste monstrueux, les miennes elles sont toutes moisies, hein. J'ai complètement foiré mon développement dans cette partie. Mais on va la jouer à la pute, et on va user de ceci, les réserves d'industrie. Ce qui fait que par contre il va falloir... Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on recherche là? Non, ça je m'en fous, voilà. Hop, hop, hop. Tu vas m'enlever tout ça. On va immédiatement rechercher ceci. Des réserves de 1000, enfin concrètement ça sera 1100 parce que je sais pas pourquoi, parce que non, il y a ça, 500, non. Hop, voilà, on va chercher ça et on va spammer les réserves d'industrie pour construire le bâtiment. 12 tours, ok, on a 10k, ça c'est plutôt bien. Bon là c'est des réserves de 100, ça m'intéresse pas énormément. Combien ça coûte d'acheter ces machins? 15 Kentanis. Je suis en train de faire une L. Je vais l'acheter, comme ça sera fait. Voilà. Bon, et bien, passons le tour. Voilà, et donc toi tu viens, et nous allons, hop, hop. Alors ils sont déjà 8 là-dedans, il nous faudrait, après cette technologie, il nous faudrait celle-ci, voilà, pour faire des armées de 10. Alors est-ce que temporairement on pourrait pas, temporairement bien sûr, passer en science pour plein de monde? Ah, attends, classe-moi le truc selon la science, voilà. Histoire de gagner des tours. Et de découvrir les réserves au plus vite. Ça ne fait pas gagner beaucoup, ça. Hein. Ah, 6 tours. Toujours 6 tours. Et là. 5 tours. Ok, voilà. C'est quand même déjà mieux. Par contre, on gagne quasiment plus rien dans nos villes, mais ce n'est que temporaire. Voilà. Tiens, toi, tu vas aller dans la ville. Au niveau des héros, on a toujours nos deux héros qui sont là, d'accord. Il faudrait peut-être que je pense un moment à améliorer mes trucs, là. Vous avez quand même du palier 3, vous, hein, donc c'est plutôt pas mal. Ah, donc, non, vous êtes bon. Les zélotes, je leur avais mis ça.
Non, c'est très bien. Vous êtes très bien. Il faut juste que je puisse améliorer mes trucs, mais ça coûte énormément de ressources que nous n'avons pas. On a des villes qui ne font rien, et est-ce qu'il y a des trucs intéressants à faire? Ça pourrait être pas mal. Jardin souterrain. Voilà. Comme ça, on perdra moins de nourriture pendant l'hiver. Puis après, on va se mettre à acheter des réserves avec toute notre puissance économique. Alors, bonjour. Qui es-tu? Tu es un général, toi. Max l'attaque. Mais généraux, d'ailleurs. On va peut-être les stuffer. On va peut-être les stuffer en armure, parce qu'ils ont des beaux bâtons, mais... Ouais. C'est plutôt du soutien, donc... Je vais peut-être leur mettre de la défense en fait. Je vais remettre les trucs en brume. Parce que ça, on en a plein en fait. Donc, et en accessoire, est-ce qu'on a des trucs pour les armées? Attaque d'armée. Défense d'armée. Initiative d'armée. Dégâts d'armée. Boum. Et toi, on va te faire pareil. Alors, dégâts, initiative, défense. On n'a pas de place pour celui-là, on le mettra plus tard. Voilà. Bien. Bon, pendant ce temps-là, la quête continue, hein, et les mecs sont en adoration, on ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Très bien. Fin du booster, tu réactives. Bien. Maintenant, on va repasser tout le monde dans la thune. Parce que, bon, c'est bon, on peut. La plus importante à découvrir, c'était celle des réserves. Et on va essayer d'en accumuler le plus possible. Voilà, donc là tout le monde est en... Tout le monde est dans l'argent, très bien. Est-ce que sur le marché, plus 1100 d'industrie, voilà, et vous savez quoi? Allez, on n'a pas l'argent pour l'instant, donc... Stratégie d'empire imminente, très bien. Ici on a un emplacement vide, j'avais complètement zappé. J'ai pas assez d'influence, d'accord. Quoi, mais si, bien sûr. Voilà. On va assimiler les silices pour avoir un petit bonus de ressources. Et je viens de voir que nous avons des boosters inactifs. Hydromiel, nos héros nous coûtent moins cher, c'est toujours ça à prendre. Et bah l'or, bien sûr, bien sûr. On gagne 2K par tour. C'est très très bien. Alors à ce propos, est-ce qu'on peut acheter nos 10 réserves d'industrie? Combien il nous faut? 9900, on les a pas encore. Prochain tour, ça devrait être bon. Ce truc commence à m'énerver. Faudrait que je m'en occupe, un de ces quatre. Très bien, hôtel de la transcendance. Nos armées ont tenu bon, notre ville est intacte, la transcendance est à notre portée. Je rappelle, voilà, on a trouvé le laboratoire de mon frère qui était parti. Je pense que lui, il a atteint la transcendance, du coup. Et on va faire pareil. Je suppose qu'il va falloir construire l'hôtel de la transcendance. D'accord, mais ça c'est déjà fait, donc
Je suppose que ça prendra effet au prochain tour. Voilà. Donc là, on a acheté 10 réserves d'industrie. C'est très bien. Voilà, donc ça c'est fait. Construisez l'hôtel de la transcendance de votre empire et nous aurons secret des virtuels qui augmentent nos sorts et nos piliers. Et le fameux temple du centre de la Terre qui nous permet d'avoir la victoire. Donc vous voyez qu'il coûte quand même 72 000 d'industrie et on ne peut pas l'acheter. Hein, donc évidemment. On va faire le temple de la hôtel de la transcendance. Ah, on n'a pas assez de mitrite, d'accord. Il nous en faut 30, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Je regarde s'il n'y aurait pas des extracteurs. Il n'y a plus grand chose à coloniser de toute façon. Donc, y a cette région là, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il y a du palladium dedans. Bon. Ah, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. J'ai 6000. Je vais acheter des bâtiments. Ah. Et les villes qui ne font plus rien maintenant, nous allons leur demander. Alors, il y a des trucs de nourriture. Hein, qui... Ouais. Nous allons leur demander de faire des réserves d'industrie. Ça coûte horriblement cher à acheter, je crois, oui. Atrocement cher, même. L'hiver va bientôt arriver. Ah, ben non. On a sucé toutes les réserves du marché. Il y en a qui ne sont pas encore réapparues. On a deux cap. Ah, bah voilà, tiens, l'hiver, putain. Chiasse. Toi tu es gouverneur. Hop. Tu es gouverneur où d'ailleurs? Six mois. 3 anomalies. Oui, c'est bon, c'est bien la ville qui a le plus d'anomalies, donc tu restes là. Oui, je l'avais déjà fait, ça, je crois. Je l'avais déjà fait. On va acheter des bâtiments de bouffe. Voilà. Personne n'est en déficit de bouffe, d'ailleurs, c'est génial. Fuck l'hiver. Aucune recherche. Alors, il va nous falloir des bâtiments de production. Alors déjà, il y en a là qu'on n'avait pas, recherché. Donc, on va les rechercher. J'ai même pas ça, putain, il y a des trucs que j'ai pas recherché dans les premières aires. Ok, et ensuite il va nous falloir ça, c'est très bien, ça c'est très bien, voilà, et ensuite voilà, ça et ça pour la bouffe. Donc du coup, par contre, hop, voilà, on va pouvoir avoir des armées de 10 unités. Il y a quoi là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 5 zélotes. On va refaire un zélote par ici. Là. Et celle qui est là-bas, elle a quoi dedans, elle?
1, 2, 3, 4, 5. On va vendre cette unité. Attends, on va vendre celle qui est... Ils sont tous au même niveau. Celle qui a le moins d'XP, bah c'est celle-ci. Allez hop. Dégage. Du coup, on va faire deux ailes et un zélote. Voilà. Non, pas tout de suite, je suis con. Les zélotes, on va le faire. Les ailes, on les fera après parce qu'il nous faut le mitrite pour le bâtiment. Et d'ailleurs, au prochain tour, on aura assez de mitrite. Merde, je suis con. Il fallait que je lui dise de construire des réserves. Toi, il faut que tu fasses ça. Là, on va acheter ça. Stratégie d'empire. Alors, très important. Pap, 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 pap. Réduction du coût de production des bâtiments. On va prendre ça parce que ça marche pour l'hôtel de la transcendance. Et ça marche aussi pour la merveille à construire. Donc, voilà, ça me semble essentiel. Et l'hôtel de la transcendance, on peut l'acheter. Le temple du cœur de la terre, on peut pas, mais le temple de la transcendance, on peut. Donc on va faire ça, qui réduit le coût d'achat des bâtiments. Et on va rester comme ça. Je suppose qu'on peut pas trop prendre. Non, on peut pas aller plus loin. Pourquoi pas réduire le coût des unités? Ouais, vas-y. Voilà. Laissons me dire, tu vas nous faire. L'hôtel de la transcendance. Voilà. Qu'on pourra acheter pour une bouchée de pain. Pour 3000. 3000 de brume, ça va, c'est rien du tout. Ça tu vires. Attends, quête annexe. En hiver seulement, rechercher l'emplacement indiqué. Rien et 12 orchidées. C'est où ça? Ah, c'est juste là. Est-ce que j'ai 12 orchidées de brume? C'est quoi déjà le. Moi j'ai pas. C'est quoi les orchidées de brume? Mais non, j'en ai pas. Ah, bah si, j'en ai un. Avec cristal de sang. Non, c'est pas du tout la même chose. À la limite, on peut en acheter. En faut combien? 12? Allez, vas-y. On va les acheter, du coup on a 12 orchidées de brume et il faut aller chercher là-bas. Eh ben écoute, on est en hiver, profitons du truc. Ici, on peut acheter l'hôtel de la transcendance, voilà, biatch, merci. Ce qui va tranquillement terminer notre quête de faction. L'hôtel de la transcendance est achevé, là-bas dans le pouvoir ultime, au-delà de la douleur ultime, réside un nouvel univers. Je connaîtrai bientôt une douleur incommensurable et saurai si Verda m'attend de l'autre côté. Bah, je pense que oui, mais c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va faire le temple du centre de la Terre. C'est un bâtiment, une source d'énergie et un centre. J'en dis tout. Et un centre de traitement, une fusion de brume et de matière transcendant n'importe quel savoir existant. Réactivant ce temple endormi depuis les Endless, une faction pourrait assurer l'avenir de sa planète et se trouver pétrie d'humilité devant l'immense gouffre d'ignorance qui la sépare des créateurs de cette merveille disparue depuis des lustres. Et il nous faut 40 de mitrite, putain. Peut-être falloir les acheter, de mitrite.
Achetons, achetons mes braves. Du coup, Sondir ne fait plus rien. Et bien, Sondir va nous faire une réserve. Qui a le plus de population? Qui a le plus de... C'est Sondir, mais... Alors, si je mets les gens en production, ça met combien? 122, 32. Alors, on va laisser dans la, on va laisser dans le, dans la thune. Bonjour. Le héros s'éveille brutalement, les yeux brillants et la main tendue. Vous remarquez un anneau étrange à son doigt. D'accord. Oh. Renfort d'industrie 2. Mais c'est trop bien ça, on va en faire un gouverneur. Putain, mais il est génial. Très bien. Toi, retourne là-bas et attends. Alors, fais voir ce mec là. Renfort d'industrie 2. Putain, c'est génial. On va lui mettre l'artefact d'industrie également. Voilà. Et où allons-nous construire quelle ville aurait le plus de potentiel d'industrie? Juillarn a la population la plus nombreuse. On va faire un test. Voilà. Et Adikin. Alors, Juillarn et Adikin, et c'est Juillarn qui l'emporte. C'est Juillarn qui aura l'honneur de construire le temple du cœur de la terre. Quelle heure est-il? D'accord, c'est bon. Voilà, voilà. Du coup, on va mettre le gouverneur direct. Voilà, pour qu'il commence à gagner de l'XP. Tu es gouverneur à Juillarn, c'est très bien. Voilà. Bien. Nouvelle quête. Et bien voilà, ça c'est la quête pour gagner. Auriga est en mouvement, étant découvert. Pourquoi fouiller les ruines illuminées par les rayons de lumière de... Non. Non, 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 non. Non, merci. Ce n'est point au programme. Est-ce que je garde ma thune pour acheter les... J'achète les derniers trucs, là. Je vais acheter les derniers trucs, histoire que ça se finisse rapidement. Proche d'une victoire de quête, mouais, 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 mouais. Il nous faut combien d'hyperium, là? Attends. Il nous en faut 40. Est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on pourrait pas en extorquer genre t'as pas de l'hyperium à me donner? Il m'en faudrait combien? 20, 30. Il m'en faudrait 25. Voilà, et moi je peux te filer Ah non mais tu veux pas du tout quoi. Tu veux pas du tout. Ok, d'accord, bah va chier. Va chier, on va les acheter sur le marché. Par contre, il va falloir qu'on se magne le cul. Non, ça va, on a le temps encore. On a encore un peu de temps. Bon, vivement que l'été revienne. Et on va terminer cet épisode. Oh, bien, bien, science de gestion. Très bien.
Il faudrait. Alors déjà, toi, tu vas pas construire ça. Toi, il va te falloir. Alors, tu as de la forêt. Oui, en plus, on va pouvoir étendre la ville pour avoir plus de forêt. Voilà. Et voilà. Combien ça coûte? Ça coûte que dalle. Ah bah oui, c'est les bâtiments de l'ère numéro 1, ça. Donc, ça coûte que dalle à faire. Va passer un dernier tour et on va terminer l'épisode là-dessus. Voilà, très bien. Ah, très bien. Alors. Où sont les bonus de production? Ouais, c'est un seigneur déchu, donc il a des renforts de. Enfin, c'est plutôt tourné vers la thune. Mais bon, il a renfort d'industrie, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui pourrait être utile? Ça pourrait être bien. Ouais. Bon bah vas-y là-dedans, hein. De toute façon on n'a pas trop le choix. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Oula. Est-ce qu'il n'y aurait pas un héros... Il n'y a pas de... Comment ils s'appellent les elfes là, les White Walkers, je sais plus comment ils s'appellent. Il n'y en a pas. On n'a pas spécialisé en industrie. Non, eh bien tant pis, on va garder notre héros seigneur déchu. Très bien. Juillarn. On a 18. Plus 10, 28, voilà. Je suis nul en calcul mental, donc il nous en faudrait 10, 11, 12, il nous en faudrait encore 12. Ok. Bon, on va terminer l'épisode là-dessus. J'espère qu'il vous a plu. Hein. Là, on est en train de rusher la victoire du fumiste, hein, c'est-à-dire on va essayer de voler la victoire en construisant la merveille, en espérant que personne ne nous déclare la guerre. Oh là là. Là, voilà hein, pourquoi je dis ça, parce que je pense que si quelqu'un nous déclare la guerre, on se fait atomiser la figure. Parce que je suis une quiche, tout simplement. Mais voilà. Donc, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou sur Facebook. Ou à laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire, hein. Vous connaissez la rengaine. Sur ce, à la prochaine et portez-vous bien.